Salut les amis, c'est Woody et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on est de retour dans notre fabuleuse aventure sur Spider-Man en compagnie de Peter Parker. Et j'ai envie de vous dire les amis, c'est parti! Continuons notre petite aventure, tranquillou. Bah j'ai pas beaucoup avancé non plus dans les activités les amis, j'ai juste fait quelques petits tours les antennes. Peut-être un ou deux laboratoires. Et quelques petits sacs à dos, mais sans plus. Attention, c'est moi qui voilà. S'ils mettent un pied dans la chambre forte, je vous fais abattre. Compris, boss. On triple la sécurité. Les démons toucheront à rien. Écoutez-moi! Les démons s'en prennent à toutes nos planques! On en a déjà perdu deux cette nuit. Le boss est peut-être en tôle. Mais personne touche contrôle à ses radio, affaires! Aigle 2, tout va bien? Aigle 2 au rapport. RAS. Quel genre de planque cherchent les démons? Il faut que je neutralise les âmes de Fisk et que je découvre ce qui protège. Quoi que ce soit, je veux pas laisser ça entre les mains de Fisk, ni celles des démons. Il y a des snipers partout. Oh, attendez. Je devrais commencer par eux. Ah bah non, ma dernière. Bon, je pense qu'on peut se le faire tranquillou là, monsieur. Beaucoup de détritus par ici. Un peu de toile lancée au bon endroit pourrait faire une jolie diversion. Attends, Spidey. Ah, ils sont deux. Je suis pas là. Y'a personne? Ce sniper est protégé par un garde. Je ferais mieux de les séparer pour m'en débarrasser. Oui, mais le problème, c'est que... Bah, ah, sinon, on a la toile quand même. Ah bah, toi, t'es au sommet. Hein. Je suis en train de faire mon nid. Ah, y'a encore un là-bas, tout en haut. Ah, c'est lui là-bas. On va déjà faire le monsieur dans la tour. Comment je peux l'attraper celui-là, moi? Ouais! Qu'est-ce qu'il me fait? Bonjour, je suis une araignée. T'es sérieux? Tu peux pas faire le tour comme ça? Et là, on peut le tuer comme ça? Ça va, ça passe. Du coup, il y a encore un monsieur là-bas. Tout va bien pour l'instant. Ah, il n'y a plus de sniper à première vue. L'inspecteur Spider. Tu fais quoi toi? Tu tournes, tu fais quoi monsieur? Bon allez, c'est qui Anderson? Je suis prudent, monsieur. T'as quand même un pistolet, hein. Il y a encore un ici. Taïo! Coucou, je panier. Il est où le monsieur du dessous? Monsieur, où êtes-vous? Oh la bosse est chaud hein. Ça a l'air de passer. Je suis bloqué. Oh genre il a pas vu son poids lui.
C'est encore un devant. Là-bas. Il est quoi en dessous, lui? Ah d'accord, il bug. Attends, je te débloque. Voilà, un joli cocon. Tu sais pas, tu l'as pas vu venir celle-là. Allez, sois pas timide. Je suis pas timide, voyons. Eh, hey, on l'a bien fait, hein. Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale ? Ça me paraît tout à fait honnête. C'est quoi votre nom ? Je suis l'agent Davis. Appelez-moi Jeff. Et vous êtes ? Je vous fais marcher. Mon fils est un vrai fan. Dites, votre mandat, il autorise à forcer les portes ? Seulement au prix d'une montagne de paperasse. Je vois. Je vais faire autrement. Dans les endroits comme ça, il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée. Ouais, à mon avis, ça doit être en hauteur. J'ai un œil derrière. J'irai bien moi-même, mais bon, je suis pas Spider-Man. Hop, 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 pii. Attends, tu veux aller où, là? Ça c'est l'intérieur, ça. Oh. Oh bah accroche-toi, voyons, s'il te plaît. C'est pas une entrée, ça. Eh non. Bon. Bon. L'avant est bien verrouillé. Mais je suis sûr que le reste l'est beaucoup moins. Monsieur, on repart, y'a rien. peut-être là. Ah. C'est bon, les gars, on a trouvé, on avance. On se croirait dans un film d'horreur. Je vais me retrouver face à des pêcheurs maudits avec des crochets à la place des mains. Bon, ouais, y a pas où de est cette porte verrouillée? Jeff, vous êtes là? Je fais de mon mieux pour éviter les blagues à base de toc-toc. Je vous remercie. Vous voyez une boîte de raccordement qui alimente la porte? Ouais, je m'en occupe. Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir. Bien vu. Malheureusement, j'ai rien qui soit assez puissant. Essayez ça. Un pistolet à impulsion électrique? Génial. Ces condensateurs vont me permettre d'améliorer ma tenue. Ah bon? Bah allez mon gosse, c'est parti. Le pistolet paralysant vous permet désormais de fabriquer de la toile électrique. Ok! Du coup, c'est équipé? Ah, après, c'est pour améliorer. J'adore ces toiles électriques! Fan de gadgets, hein? Vous me rappelez mon fils. À 5 ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, débloque les téléphones de ses amis. Il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non? À première vue. Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Écoutez. Vous trouvez pas que ça sonne creux? Il y a un panneau caché, comme celui de la porte. Les conduites passent derrière. Cherchez une autre boîte de raccordement. Ah oui, monsieur, il y a des traces au sol. Si mes nouvelles lentilles détectent les conduits. Ok. Un conduit là-bas. Je peux le... Ah mais arrête de faire le truc comme ça, là. Ça a marché? Non, ça ne doit pas être la bonne boîte. Cherchez encore. Encore une boîte en haut.
jamais pu l'ouvrir tout seul. Eh, je l'aurais sans doute pas trouvé sans vous. On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Vous ne remarquez rien par terre. Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Ok, Jeff. Quoi ça là-bas? Mais un truc qui brille, non? Maintenant que je sais ce que je cherche, je devrais refaire le tour des lieux. C'est quoi ça? Pourquoi je peux faire... Ok, un truc à faire. Y'a quoi là-haut? Ah. Où il pourrait encore y avoir des marques? Jackpot! Des marques, pas de porte. Du moins, j'en vois pas. Super, j'arrive. Bon, faut suivre les panneaux, je pense. Y'a rien là. Ou pas. L'ascenseur est HS. Bougez pas, je vous fais monter. T'es où, Jeff? Ah, là-bas. On peut le faire de l'autre. Nickel. Premier étage, engrenage rouillé et gros rat des dieux. Attention, le pont est détruit. Ça va aller. Vas-y, Chargal, vas-y. Oh là là. Bravo, belle réception et tout. On n'est pas tous des gouffres à donuts. Ah. Je vois ça. Encore une porte secrète. Je m'occupe du verrou. Dites-moi quand vous trouvez la boîte de raccordement. Je comprends que c'est celui-là. Hop. J'en ai une. Dans le mille. Ni plus ni moins. Ça arrive. Du coup, c'est bon? Ouais, plus rien, c'est bon. Hey, vous voyez ça? Rien. Je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter. Regardez les murs. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant. Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Les hommes de Fisk parlaient d'une chambre forte. On est peut-être pas loin? Il y a des chances. On dirait un double circuit. Essayez de trouver une deuxième boîte de raccordement. Ok. Bah du coup c'est bon. Là-bas c'est là, il y a notre copain. Si j'étais une boîte de raccordement... Trouvé. Ah, ouais, ok. Faut soulever l'ascenseur, là. Là. Ça va, c'est pas compliqué. On s'en sort. Bien vu, Jeff. Une porte cachée. Génial. Vous voulez bien m'aider? Ce truc est lourd. Oh, bah non, hein. C'est toi, là, Jean. 1, 2, 3. Ouais, hein? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Vas-y, je suis sur le mur là. Je peux passer par ici. Bougez pas. Je suis bloqué. Vous pouvez m'aider? C'était quoi ça? Le métro peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont infâmes. Ok. C'était clairement pas le métro. Non. C'est le seul. Ouais, mais vas-y, bah s'enveloppons. Vite. Allez. Coucou. Doucement avec les touches, c'est compliqué quand même. C'est pas vrai. Les démons sont déjà passés. Comment c'est possible? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Ça, c'est de l'arme. Où ça l'était? Là, bah ils ont fait sauter les verrous pour entrer. Chut! Des démons. Restez là. Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de cela. Ils s'en vont. On y va. Allez! Police! Stoppez les camions! Arrête! Soldats,
Sergent Harmon. À couvert. Oh, attends. M'attendais pas à faire un truc électrique, moi. Bien joué. Bidon dans ta tronche. Oh. Oh, c'est mon collègue. Non, je veux aller là-haut, moi. Ah, bonjour la frime. Hey, c'est pas moi qui ai esquivé les balles. Attention, je le neutralise. J'ai vu ça. Derrière vous. J'ai vu. Je suis presque impressionné. Ah, le poubelle à la tronche. Bien joué, Jeff. Je vous coupe. Merci, c'est pas de refus. Moi je préfère ça, moi, quand même. Oh, elle est belle. Cette lame qui tombe à pic. Où on en est? Oh, il est où lui? Oh. Alors, c'est parti! Si je perds deux camions de méchants armés dans la même journée, je jette l'étoile. Oh, vous avez trop vite pour moi! Je me rate, il se rate, nickel. Spider-Man, je suis retenu au chantier par des démons. Comment ça se passe pour vous? Pas beaucoup mieux. Ces types sont des dangers. Si je les arrête pas, ils vont finir par tuer quelqu'un. Je vous rejoins dès que je peux, mais je vous promets rien. Soyez prudent, Jeff. Oh. Ne prenez pas de risques. Y'a pas une touche là, faut faire quoi? Ah! Attendez-moi! Je me suis raté! Tuer des piétons, il faut que je me rapproche. Oh, y'a personne. Coucou. Oh, j'ai fait quoi? A décidé d'arriver à l'heure. Oh, tu. C'est un bon flic. Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle. Vous avez le droit d'être ici? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchères, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles. Ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus
et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances ? Agent Davis, Mary Jane Watson du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi ? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée. C'est pour ça que tu l'aimes, Smiley. Quand tu t'entends là-bas. Oh, je suis crevé. Il est temps de rentrer et de dormir un peu. Ouais, là, je peux rien faire. Je peux pas tourner la caméra. Ok, c'est fait esprit. Ok. Voyage rapide, ok, nickel. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne ? Oui, un instant. Six, quatre, quatre, sept, six. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion ? Je regarde ça. Voilà, normalement il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super, merci Eddie. Garage municipal, Bowery et Grand. Allons récupérer nos slips. Tant pis si je perds tout le reste. Il faut au moins que je retrouve mon speeder disc. Ça doit pas être si difficile de trouver un tout petit disque dur dans un camion poubelle de 30 tonnes. Oh bah oui, c'est facile. Mais... C'est pas possible. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. J'espère qu'ils ont pas été dans l'historique. Vite! C'est moi, Gabla! Oh! Faut travailler les entrées, hein. Et bien sûr, c'est fermé. Au cas où quelqu'un voudrait voler des déchets. Non, pas tromper de touche. Il y a quoi ? Il y a conduit ? Ah bah ouais. C'est pas vraiment une effraction si je casse rien. Si ? Ok, pas de panique. Bon, hein. Peut-être pas encore jeter les ordures. Nada. Oh. Ok, là je panique. Qu'est-ce qu'on fait ? Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Désolé, est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage ? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super ! J'y vais direct ! Hé ! Ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai ? Je vais vérifier les pizzerias alors. Vous savez laquelle ? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry ? Non, ça c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah, oui. Non, ça commence par un L, je crois. Larry ? Larry, c'est dans les sides. Je crois que je vois les camions. Merci, Eddie. Ok, les camions doivent pas être loin. Ah, les camions, les camions, les camions. Ah bah là, non. Allez, maintenant. Ah. Non,
C'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Thank you, Panda. Bah, c'est normal. Ah, voilà. Pas le temps. Aucun signe de mes affaires. Oh, et quelle odeur intéressante. Eddie, vous êtes mon seul espoir. Pas là non plus, hein. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici? Ben, les gars ont peut-être changé d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collègue était sur la ligne 35, ils doivent être à l'incinérateur maintenant. L'incinérateur? Du côté du pont de Manhattan. Dépêchez-vous. Boulez, boulez! Ça va, ils ont pas mis le chrono. Voilà l'incinérateur. J'espère que j'arrive à temps. Talio! Oh oh, ça sent les ennuis. Au secours! Oh la bagarre! Vous allez bien? Ouais, merci. Ça fait 2 jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien, je vais ouvrir l'œil. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu? Pour des trucs perso? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Ah. Il y a quelque chose ici. Je dois me débarrasser de ces sacs. Ah, je crois que c'est ça. Respecte un petit peu leur travail quand même. Sois ici, sois ici. Oui. J'espère qu'il marche encore. Oh, on dirait que tout est là. Hé, hey, y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Pourquoi je l'ai jamais terminé? Bah ouais, je te le demande. Je crois que je peux le faire marcher. Des bombes de toile. On enchaîne les gadgets là quand même. Doucement, doucement. Regarde, c'est le type qui se prend pour Spider-Man. Oh non. Tuez-le! Allez, où la bombe? Attention! Oh, c'est pas mal. Méchant monsieur! Ah, bon, cadeau pour toi. C'est tout? Ah, oh, bah t'es Carlotto. Bon, cette nuit se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir? Je pourrais demander à MJ. Ok, allons voir Bibiche. Je trouve qu'on va mettre ça. Ok. Comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé? Alors, voyons. Salut MJ, c'est Peter. Tu crois que je pourrais dormir chez toi ce... Oh non, c'est trop formel. MJ! Eh, oh. Hey, je passais dans le quartier et... Oh, c'est nul. Je passais par là, puis au final, MJ, j'ai plus d'affaires. Si on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là, c'est carrément pathétique. Ah, pourquoi j'en fais toute une histoire? On est amis, non? C'est normal de squatter le canapé d'une amie. Excuse-moi, MJ, j'aurais pas oublié un slip chez toi. Le canapé d'MJ. C'est mon porte-bonheur. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Ah bah non. Si seulement Harry était ici, je pourrais aller chez lui. Home sweet home.
Quelqu'un m'a laissé un message. Mais le numéro est masqué. Coucou Spidey. Ça faisait longtemps. Je t'ai manqué? Viens à cette adresse. Attrape-moi si tu peux. Oh non. Je connais cette voix. Moi, c'est ça, ouais. Tu connais tout le monde, toi. Bon, ben nous, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà, les amis, c'était Willy. Je vous fais des bisous, bisous. Ciao, ciao, les amis. Et on se revoit très prochainement pour Spider-Man.